Bienvenue à tous au repère des jeux solo. Aujourd'hui, nous allons faire un déballage du jeu, un jeu que je viens de recevoir aujourd'hui même. Un jeu de la plateforme Kickstarter. J'espère qu'il sera en magasin. Excavation Hearth. Donc voici un sac que j'ai obtenu avec là-dedans des pièces en métal. On les verra plus tard. On a une planche bonus. Ici l'extension. C'est la version française, Second Wave, et le jeu principal. La version française, donc, de Matago. Jeu pour 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 1h30 environ pour une partie. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est regarder un jeu créé par David Turkzy. Un très bon concepteur de jeux solo. Donc, ça m'inspire beaucoup confiance. On regarde l'arrière de la boîte. Donc, regardons un peu l'histoire. Le contexte du jeu. Dans Excavation Hearth, vous dirigez un groupe d'explorateurs aliens à la recherche de reliques et de la civilisation humaine afin de constituer la plus belle collection, mais surtout d'en tirer un maximum d'argent. Préparez et gérez votre main de cartes pour extraire les reliques les plus intéressantes des sites de fouilles, déployer des acheteurs sur le marché et manipuler les prix pour vendre au meilleur moment et au meilleur prix. Mais n'oubliez pas de surveiller les intrigues politiques qui se nouent dans les hautes sphères du vaisseau-mère. Sans émissaire, votre faction risque de ne récupérer que des miettes lors du partage des territoires, lorsque la Terre sera colonisée. En fin de partie, il sera temps de montrer votre galerie et vos plus belles collections de reliques à vos adversaires, des collections que musées et critiques vous environnent dans toute la galaxie. Facile à apprendre, difficile à maîtriser. On voit tout le matériel du jeu. Donc, de ce pas, allons voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Bon. On se débarrasse de la pellicule et on l'ouvre. Donc, le livret de règles, 24 pages. Regardons ensemble le livret. De belles illustrations, qualité de papier normal, standard. Donc, on nous explique la mise en place. Quand même pas mal de matériel, ce que je peux voir. Le principe du jeu. Comment se déroule une manche. Évidemment, pour ceux qui connaissent les jeux société, c'est pas mal toujours les mêmes étapes quand on fait un livre de règles. Phase d'action. C'est écrit pas mal grand. C'est pas tout petit, donc on n'aura pas de misère à lire ça. C'est de lire assez vite. Facile à apprendre, je peux comprendre. Je pense que je suis d'accord avec eux. Comme ça. C'est pas juste une extrême complexité, mais difficile à maîtriser. Et très fort possible aussi. OK, on a le bon. Qu'est-ce qui déclenche la fin de partie? Les différentes actions qu'on peut faire. Le pouvoir des différentes factions. On a le cartel Ghoul et Issisinui. Le Corpo d'Al-Arai. Collectif à Kula et Union Kutu Kuti. Bon, des noms assez exotiques, vous en conviendrez. Le mode solo, est-ce qu'on l'attendait tous? Le mode solo qui a été fait par David Turkzy, certainement. Donc, on voit combat du zoo. Zoo, c'est lui sûrement l'adversaire qu'on va avoir. OK, 4 pages. Le jeu solo encore. Et ça termine. Donc, 7-8 pages pour le jeu solo sur 24. Donc, 2/3 le jeu multi, puis un tiers du livret, c'est pour les explications du jeu solo. Bon, évidemment, ici, on retrouve nos fameux jetons. Vraiment, les reliques, fameuses reliques, là. Une plaque d'immatriculation, ballon de soccer, tête de cochon. Les jouets, finalement, le petit chat qu'on trouve dans les restaurants asiatiques sur le port du temps. Toutes sortes d'objets hétéroclites comme ça.
Un insecte, je crois. Bon, et en arrière, c'est rien de spécial. Donc, une qualité de jeton, une épaisseur, ouais, bien, standard. C'est tout ça, c'est rien de. Comme on est habitué de voir la plupart du temps. D'autres planches, bon, ben, les différents compteurs ou marqueurs, vraiment les points où l'argent qu'on se fait en trouvant les reliques. Le plateau de jeu. OK, ici on a un petit insert en styrofoam. Bon, le plateau de jeu qui, il me semble, qui constitue de 6 sections. Je le déroulerai, à la fin, je le mettrai sur la table pour qu'on voit au complet. Bon, un fameux plateau ici avec des encoches. Vraiment des aides de jeu. Regardons. Ouais, c'est ça, c'est des aides de jeu. Pas les faire comme. Ici, on a bon, encore un plateau avec. Il est unique celui-là. Donc, pour me compter les cas de progression des différents joueurs dans la partie. On a les plateaux des factions. Donc, chaque faction a l'air d'avoir une capacité spéciale. Toutes des plateaux qui sont semblables. On dirait bien, c'est pas mal les mêmes choses qu'on retrouve ici d'une faction à l'autre. En haut, c'est la même chose aussi. Donc, je pense que la différence entre les factions se retrouve ici à la capacité spéciale. Donc, ici, on a les Corpos d'Alareille. L'Union Tukuti. Les clones, ah, les zoos. OK, ça, c'est. L'adversaire qu'on rencontre quand on joue en solo. Et les contrebandiers, le cartel Ghoul. OK. C'est très bien. Les encoches, quand il y en a, on est bien content. Ça nous permet de pas garer les différentes pièces qu'on met là. Il y a les laisser en place. C'est des beaux plateaux. Oh, bon, on a encore des petits cubes de bois. Je ne sais pas ce que ça représente pour l'instant, mais différentes couleurs. Ben, un par couleur de faction, certainement. Il y a encore des jetons, vraiment des jetons de joueurs. Là, ici, encore une fois, des jetons de bois. De toutes les couleurs qu'on a, les mêmes. Quoique ici, on dirait que le. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Ici, on a des oranges, des verts. Les couleurs sont différentes, donc à voir qu'est-ce que ça peut bien représenter. Encore une fois, cette fois-ci, on a les jetons de bois sont imprimés pour les différentes factions qu'on a. Il y a les clones de Zoo, justement, ici. Donc, on a comme trois jetons par faction. Trois jaunes, trois gris. C'est bien que ça soit imprimé des deux côtés en plus. Les deux côtés, on peut voir. Un côté là, l'autre côté. Donc c'est très bien. Et évidemment, les cartes. Et est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non, rien. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve comme carte? Regardons ces petites cartes. Ouvrir ça. Hop. Le plastique est pas facile. Désolé. Bon. Donc, des cartes. Ah, ben, si on voit ces où. Donc, là-dessus, c'est vraiment des cartes qu'on utilise quand on joue en solo. Donc, différentes des cartes de l'IA solo, sûrement ici, qu'on retrouve. Des cartes. Bon, c'est des cartes standard. Elles ne sont pas tressées ou vissées ou rien. J'ai des cartes de. Les standards sont.
vont bien, ils sont pas collés, sont corrects, là. Sans plus. Ici, bon, les cartes de renfort. Différents promenades, différents bonus qu'on peut ramasser dans la partie. Les cartes avec les différentes factions. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière? Non. Donc, noir d'un côté, couleur de l'autre. Vraiment, les cartes qu'on active qui nous donnent des bonus en quelque chose, là. Donc ça, c'est des petites cartes qu'on a dans le jeu. Ici. Les plus grosses. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? Je vous l'avouerai, moi, c'est vraiment l'auteur de David Turzi qui m'a fait pencher la balance dans ce jeu-là. J'ai bien hâte de l'essayer. Donc, des cartes. Bon, c'est encore une fois les différentes factions qu'on retrouve en arrière. Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant? Alors, OK, ces cartes-là, c'est la même en dos ici. C'est toute la même chose. Donc, c'est plus ce côté-là probablement qui est important. Donc, cette faction-là fait quelque chose par rapport à ça. Il y aurait à 3, un bonus de 3 bidules. Bon, évidemment, on va lire les règles, on va savoir à quoi ça sert, mais bon, il y a toujours un signe différent en haut. En bas, c'est toujours la même chose. Toujours trois contenants de quelque chose, mais c'est le signe du haut qui change. Avec la couleur, évidemment. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire pour l'instant, mais ils sont là. OK, ça fait déjà le tour du matériel. Il y a quand même comme pas mal de choses, mais c'est beaucoup de jetons, de cartes et les plateaux sont très beaux, sont très bien faits, sont de bonne qualité. On remet tout cela. Je vais vous montrer le plateau, qu'est-ce qu'il y a de l'air avant d'ouvrir l'extension et le sac. Allons-y pour regardons ce beau plateau qui représente évidemment la Terre. Je vais vous le présenter. Je vais juste bouger la caméra un petit peu plus et plus tard. OK. Donc, c'est ce qu'on a. Assez grand. Un peu comme un plateau de risque, on va dire. Donc, ouais, c'est bien. Des belles couleurs. On voit ici que comme les villes sont la plupart détruites, la civilisation a pas mal a disparu, évidemment. Mais je sais pas combien d'années ça fait là, que c'est terminé pour l'humanité, là. Et voilà. Bon, je vais laisser le plateau là comme ça. Je vais serrer juste les punchboards dans. Dans la boîte avec le livret d'instruction. Et maintenant, regardons l'extension qui s'appelle le Second Wave, deuxième vague. Ça rajoute probablement des factions. Si on regarde en arrière, c'est ce que ça dit sûrement. Oui, deux nouvelles factions, la maison de. Bon, c'est incroyable les noms qu'ils ont trouvés. Tiventum. Tiventum. Incroyable. Je sais pas si en anglais c'est différent, mais ça n'a aucun. C'est pas prononçable. OK, petite boîte là. Évidemment, c'est juste vraiment des cartes, un peu de cartes et des. Bon. Les règles, évidemment, dans les extensions, c'est pas très très complexe, là. Explique les nouveautés. Bon, un plateau aussi que je ne sais pas qu'est-ce qu'une vraiment une nouvelle action, une nouvelle fonction. Bon, des jetons de faction. Voici les deux nouvelles factions. L'oreille des lapins, la maison de Tiventerm, la guilde de Shinujai.
OK, on est habitué. Bon, les mêmes jetons qu'on retrouvait dans le jeu principal, comme avec des cartes du même style, là. Vraiment des. C'est rien pour des cartes, je pense que c'est vraiment la même les mêmes fonctions d'une. Donc c'est l'extension, c'est assez simple, qu'elle rajoute que des. Je pense pas qu'il y a de nouveaux mécanismes, c'est comme. Qu'est-ce quelque chose? Quatre nouveaux modules. C'est ça, c'est des nouveaux modules. C'est rien qui révolutionne le jeu, là. Il y a des cartes Joker qui arrivent, qui sont nouvelles, qui n'étaient pas là avant, probablement. Il y avait aussi ça, d'autres artefacts là, qui sont arrivés. Donc, c'est une planche qui était seule hors boîte. Donc, on rajoute ça. On rajoute ça à la liste d'artefacts qu'on a. Et ces fameux, le petit sac ici et ces fameuses pièces de métal. J'ai hâte de les regarder. J'aime vraiment beaucoup les pièces de métal. Elles sont très belles. Et on a vraiment un style particulier. Avec des petits trous. Donc ici, on a deux pièces différentes. Pièces de 5 et de 1, j'imagine. Ici, on a des pièces de. Ouf, un petit peu plus pesant. Pièces de 50 et de 10. Donc vraiment. Ouais, j'adore les pièces. Un beau doré. Quand on a des pièces d'un trésor Inca. Fait que ça fait le tour vraiment. C'est pas très long. C'est pas un déballage de plusieurs heures, mais j'espère que la mise en place n'est pas trop longue. Donc, il me suffit d'apprendre les règles et de me faire une partie solo dans les prochains jours, semaines. Espérant avoir le temps de tout faire ça. À travers toutes les autres activités que j'ai. Donc, c'est ça pour le jeu Excavation Earth. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez des commentaires, laissez-moi des questions, n'importe quoi, je vais vous répondre. Et on se revoit bientôt.